Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA by Coins. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois-ci. Ce n'est pas de jeu, débute un nouveau club foot. Cette fois-ci, je vais faire un peu comme je faisais au début, des vidéos à thème. Et donc le thème d'aujourd'hui est l'équipe la plus rapide qu'on peut constituer, en tout cas l'équipe rapide la plus rapide que j'ai pu constituer. Donc je vais vous la présenter, j'ai essayé qu'elle ait quand même 100% de 100 de collectif. Donc dans les buts, on retrouve Lloris avec 65 de vitesse. C'est le deuxième gardien le plus rapide du jeu derrière Kivrak. En défense centrale, on a dans les plus rapides là avec Onuoha et Okoré. L'avantage, c'est qu'ils jouent tous les deux dans le championnat anglais. Et donc, ça a été parfait pour le reste de mon équipe. Parce que à gauche, Garmstone, c'est l'un des plus rapides. À droite, Yedling, c'est le plus rapide. Ramirez, quand on le met en MDC, c'est le deuxième plus rapide. Parce qu'on pourrait mettre Hult, par exemple. Ensuite, on a du Hatsu à 92 avec du Di Maria, tous les deux en MC, en sachant que là-dessus et en milieu offensif normalement. Ailier gauche normalement, Elia est en ailier droit, sauf qu'il y a quelques cartes, je ne sais pas pourquoi, qui se sont retrouvées en ailier gauche, sûrement pour certaines fois où il a joué souvent ailier gauche, je ne sais pas. En général, le seul moment où il est en ailier gauche, la carte qui est disponible en tout cas sur PC, je ne sais pas si c'est pareil sur console, c'est sa carte boost. Et donc là, j'ai réussi à trouver cette carte-là, donc j'en suis très content. Ça me permet d'avoir l'ailier gauche le plus rapide du jeu. En attaque, Hernandez, c'est pas le plus rapide, il a quand même 92. Le plus rapide, c'est notre ami Oduro. Ensuite, on a Walcott à droite, qui est le deuxième joueur le plus rapide de jeu avec 96. Dans mes remplaçants, j'ai du Hult à 91. J'ai le joueur le plus rapide, Boli, à 97. Oduro, à qui je vais rajouter un petit contrat. Oui, j'ai 12 000 contrats. Et alors? Et alors? Oduro, voilà, qui a 95. Sterling, 93 en ailier droit. Mes deux défenseurs centraux, que sont Wine et Suck, ont 93 et 91. Donc vous voyez qu'ils peuvent être plus rapides qu'au Nua, avec chaque fois des caractéristiques physiques assez impressionnantes. 83 de physique pour Wine et 71 pour Suck. Et en milieu défensif, normalement il est MOC ou MC, ça dépend la carte que vous trouvez. Jong qui a 93 de vitesse. Donc vraiment l'équipe la plus rapide que j'ai pu constituer, et je pense qu'avec un collectif de 100 est l'équipe la plus rapide du jeu. Donc si vous n'êtes pas voulu avoir une équipe rapide, ben là voilà, je vous la présente. C'est l'équipe la plus rapide du jeu avec 89 de vitesse moyenne sur Foothead. Donc vraiment il n'y a pas plus rapide. En tout cas, si vous voulez avoir un collectif de 100, évidemment, je pourrais mettre du Boli, je pourrais mettre du Oduro, d'autres joueurs aussi qui ne sont pas forcément ici, mais en tout cas qui vont plutôt assez vite. Donc, ben, comme je faisais à l'époque, on va voir si cette équipe tient la route quand même. Hein. Le but est d'avoir une équipe plutôt compétitive. Là, ça nous donne qu'une note de 75, ce qui est quand même pas exceptionnel. On a quelques gros joueurs à l'intérieur avec du Lloris, du Di Maria, du Ramirez. Walcott, on ne peut pas considérer que c'est un gros joueur dans le jeu, même s'il a 81 de vitesse. Ça fait pas partie des meilleurs joueurs du jeu. Alors que les trois autres que j'ai cités, Ramirez, Lloris et Di Maria, sont des joueurs en tout cas qui sont assez recherchés. Lloris dans les buts est le troisième meilleur gardien du jeu. Ramirez en milieu centraux, c'est vraiment l'un des meilleurs, malgré sa toute petite note. Et juste devant Di Maria, sans compter que c'est les cartes boost. Donc il y en a certains qui vont me dire, oui, il y a plus rapide, si on prend les boosts et si on prend les cartes TOTY. Mais là, le but de cette vidéo était d'avoir également, sans avoir les cartes TOTY et les cartes boost. Donc on va essayer. Hop. Allez, allez. Oh, la faute. Déjà une faute. Bien sûr, une faute, une grosse faute. Ouh, Di Maria, t'as pas le droit de louper. Tu n'as pas le droit de me louper ça. C'est interdit.
Alors dans les Montrez-vous. joueurs vraiment que j'ai trouvé Karim très Benzema. intéressant. Et le gardien. Oh, le beau tir. Voilà Oh, il est en Benzema course. qui malgré mes joueurs rapides. Ah bon, il y a certains qui ont du mal un peu à se positionner dans la tête. Ah, ah ça manque un peu de vitesse. C'est Pourtant, Rodriguez. c'est l'équipe la plus rapide du jeu. Alex. Bonne Ouais, sortie du gardien. c'est bien. Allez, dégage là. Voilà. Bon, elle a passé. L'arbitre qui doit Et pour intervenir. moi, celle-là. Oh non. Je sais pas. Le problème, c'est que je sais pas si mes joueurs sont maladroits. Oh, le gardien sauvé Ouh, par la grosse parade. Fabinho. Bien sûr, bien sûr. Bon, il dribble pas très bien, hein, Oh, mon. que ça circule bien, c'est beau. Elle est retombée peut-être. Ouais, bonne lecture du jeu là du défenseur. Oh, c'était bien joué, ça. Après cette petite phase de possession, Quoi? ils perdent finalement le ballon. Ouh, y a pas faute, là. Jordi Alba. Non, ça n'ira pas plus loin. Voilà. Allez, cette fois-ci, tu vas vite, tu vas vite. Oh la faute! Non, c'est quoi cette blague là depuis tout à Isco. l'heure? Jesse Rodriguez. Voilà, c'est bien défendu. Mais putain, Benzema mes repasse joueurs excellemment. sont quand même paraplégiques des pieds quand même. Hein. Alors, c'est très avantageux quand ça va vite, mais alors, ça manque un peu de Alexio technicité quand Cercy. même. Hein. Ça manque un peu de technicité. Elia. Théo Walcott. Allez, deux joueurs à la lutte. Rodriguez. Ah là là. Bon, défensivement, ça se goupille plutôt bien. Ah, ça tourne bien. Et c'est Rodriguez. Ouais, bien joué le gardien qui Même si c'est pas capte. toujours évident, j'ai l'impression quand même de. Ouais, ça c'est bien joué. Allez. On s'approche Allez, du allez, allez, but. allez, 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 allez. Et c'est Rodriguez. Oh là 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 là, j'ai des gros Alex. ralentissements là. Alessio Cercy. Allez. Oh, le duel avec le gardien maintenant. Ah, c'est pas possible d'avoir des ralentissements pareils là. Karim Benzema. Oh là 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 là, faut acheter une connexion mon grand, hein. Au bout d'un moment. Et ce ballon qui traîne. Voilà. Et ballon pour Walcott. Elia. Ah, ça sait pas faire une faute de frappe, hein, Jesse il y a Rodriguez. Hernandez, je veux dire. Attention à cette perte de balle au milieu. Avec une petite faute là signalée. Ah, ce coup franc est joué rapidement. Jesse Rodriguez. Voilà, parfait. Elle est par-dessus. Grosse Rodriguez. Peut-être un caractéristique contre à physique quand même. amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Allez, 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 t'es vif, t'es vif, t'es vif. Voilà. Bon, ça c'est quand même assez avantageux d'avoir cette possibilité-là. Balboa. Allez, allez, tu vas vite. Tu vas vite, Elia. Oui, bien sûr. Non, finalement, ballon rendu Non! à l'adversaire. Alex. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Non! Aïe, 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 aïe. Mais le Les gardien passes sont pas s'est très emparé du précises, ballon. mais. Eh oui, il était très vigilant sur cette action. Alessio Cercy. Théo Walcott. Oh le penalty! Tout droit dans les bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Oh non mais là, bon. Un bon ballon d'attaque. Ouais, ça régale, ça régale. Voilà, ça c'est bien joué. Allez, t'es tout seul, t'es tout seul Et là. ballon pour Walcott.
Oh, penalty! Ouais, c'est Ah, bien Cabral sûr, qui bien marque le sûr. penalty. Ça montre des choses là. Ça montre des choses. Bon, qui c'est qu'on va faire tirer? Parce que je suis pas sûr qu'on ait des grands tireurs. Ah, il s'attendait que je repique dans l'axe. Là, mon but était surtout pas de repiquer dans l'axe. Parce que c'est exactement ce que je pensais qu'il allait faire. En tout cas, s'attendre à ça. Non, je ne me fais pas faire tirer au Nuoa. À part s'il a 85 de penalty. Mais je ne crois pas. Bon, vu sa barre, non. Ça, c'est sûr que non. On a un petit Hernandez. Oh, putain, Hernandez, il est bon partout! Bon, sa barre verte est toute petite, hein, quand même. Hein. Donc, là, il va pas falloir se louper. Et oui, La course au la belle but, la frappe. balle au but, le Bien joué, marquage. Hernandez. Voilà. Ah, la petite danse, c'est normal. Ah, il est en train de m'empiler les buts, hein, parce que là, je joue un peu avec cette équipe, Il y a hein, la pression et le tireur depuis n'a pas quelques frappé. matchs. Et le gardien est pris, il ne peut que constater les dégâts. Et il m'empile les buts, il Voilà, m'empile les buts. poussette au marteau du score, ça fait 1-0. On va repasser un peu Tireur derrière, parce que tentatif. là, c'est un peu bouché. Et c'est Rodriguez. Ah, c'est bien défendu ça. Walcott. Et c'est Rodriguez. Un bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Elia. Attention, ne pas commettre de faute. Pepe. Alex. Oh, la Ah, et on va pouvoir vitesse. relancer maintenant. La C'est vitesse de parfaitement fait. Garmstone, c'est Et on impressionnant. Bon, attend allez, c'est à maintenant mi-temps. la Bon, il n'y a pas récupération. vraiment eu beaucoup d'occasions. On en est à la moitié du chemin. C'est reparti maintenant pour 45 minutes. Benzema. Ballon pour Benzema. Côte sifflée de l'arbitre, un Oh, carton quelle faute! peut-être. Quelle faute de Benzema! C'est honteux! On est vers la zone de vérité. Bon tacle. À cette attaque qui avorte finalement. Bien sûr. Allez, pars, 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 pars là-bas. Voilà, c'est bien ça. Elia. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Oui, le bon tacle. Et c'est Dommage Rodriguez. que il soit un peu lent. Benzema. Karim Benzema. Et ballon pour Walcott. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Et c'est Rodriguez. Pourtant, Allez, il peut il mes relancer son équipe défenseurs, maintenant. ils sont au point. Mes défenseurs sont au point. Oh, bien joué Il ça. donne carrément le ballon à l'adversaire. Et c'est Rodriguez. Ah, le match est un peu fou pour le moment. Angel Di Maria, il trouve Walcott, l'attaque qui est finalement enrayée par la défense. Walcott. Et c'est Rodriguez. Ah, bonne défense, hein. On y Défensivement. aura. Et ballon pour Walcott. Allez, tout le monde participe. Bonne récupération au milieu de terrain. Benzema. Ouais, mais là, là, il... Voilà, bien joué ça. Oh putain, il me fait un tac de la dernière chance Karim là. Benzema. Ouais, bonne circulation du ballon. Alessio Cerci. Ouais, mais ça, c'est avantageux quand on a des Angel Di défenseurs qui Maria. vont aussi vite que les Joueurs à attaquants. domicile qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. C'est dommage, Pour ça s'est approcher pas le joué à but grand et chose. déclencher ce qu'on appelle le bal un petit peu Ça tôt. s'est pas joué à grand chose, grand chose. GG. Voilà, bien joué. Oh oui, le duel avec le gardien! Ah, ils peuvent récupérer le ballon finalement. Oh. Isco. Alessio Cerci. Karim Benzema.
le ballon qui repasse par les pieds du gardien. C'est bien joué ça. Il est un peu lent dans... pour se retourner. Et la voilà, la frappe. Le gardien repousse. Oh, ça oh là, quelle erreur de sa part. Quelle erreur de sa part de ne pas avoir enchaîné. N'a toujours pas pris de but lors de cette rencontre. Ah, ça va vite, ça va vite. Pépé. Il a essayé de lui prendre le ballon. Ah, dommage. Là, j'ai eu chaud derrière. Hein. Il faut le dire. J'ai eu chaud derrière. Allez, on va faire rentrer Duro. On va faire rentrer Duboli. Et en milieu de terrain, je pense que Atsu, il a besoin de souffler. Voilà. On va mettre Hult. Ouais, c'est bien. Un match ça. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Mais le ballon est perdu pour tout le monde là. Oh là là. Oh la faute. La faute. Rodriguez. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération. Allez, va vite, va vite, va vite. Jordi Alba. Ah oui, il a Jordi Alba aussi quand même, hein, qui est dans les défenseurs. C'est Rodriguez. Hors jeu. Qui dans les défenseurs est l'un des plus rapides, donc c'est pour ça que j'ai du mal quand même à prendre beaucoup de d'avantages dans la dans sa défense. Oh là là, Di Maria quand même. Encore que ça soit un de mes joueurs qui soit moisi qui me fasse ça, je peux comprendre. Oh, Onua me réalise une grosse performance. Allez, 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 ah oui, et vous avez senti la vitesse d'Oduro. Peut-être une élongation. Oh, c'est bien ah parti. Oui, alors je vous ai pas dit derrière que c'était bon partout, hein. J'ai dit que c'était. Allez, faut qu'il tienne encore 5 minutes avec bon après voilà. Allez, Boli. Rodriguez. De la tête, c'est bien. Ça s'approche. Oh là, s'il tire, je suis dans les choux. Pépé. Mais je crois qu'il veut rentrer dans le but. Et tant qu'il n'est pas rentré dans le but, ça ne lui convient pas. Oh là, ça va vite. Quel joli tir! Oh, et la défense qui fait barrage! Pépé. Alors là, c'est encore un bon tacle. Ballon toujours en jeu. Victoire! C'est la victoire! C'est ça le principal. C'est de voir cette victoire avec une équipe un peu bis comme ça. Vraiment, mais rempli que de joueurs rapides. Je pense que l'important, c'est on va faire un deuxième match hein, pour montrer toute l'étendue des possibilités avec ce type de joueurs. Bon, une victoire. Le match aura été assez compliqué, mais défensivement, on aura montré quand même que les joueurs avaient plutôt de grandes qualités. Allez, on va faire un petit deuxième. Bon, évidemment, Di Maria s'est blessé comme un coquin. Alors, contre-forme. Donc, soin. C'est à la jambe qui est blessée. Oui, j'en ai beaucoup de cartes. Ce n'est pas grave. Hop, entraînement d'équipe. On va juste faire un petit entraînement d'équipe pour avoir des joueurs frais quand même. Parce que bon, sinon ça gâche un peu le spectacle. Donc voilà, une équipe qui tient plutôt la route. Hein. Après, là, moi je fais...
Je fais une carte entraînement, mais vous pouvez tout à fait faire rentrer Wine, Suck, voilà, tous ces joueurs-là, vous pouvez les faire rentrer. Évidemment, vous allez faire diminuer votre note de collectif, mais bon, un match sur deux, vous aurez votre collectif à 100. Ça permet en tout cas de faire reposer vos joueurs, ou au pire, vous faire une deuxième équipe. Vous pouvez regarder mon équipe de joueurs les plus cheatés. Je pense que cette vidéo, je vais la refaire, parce qu'elle date un peu. Il va y avoir aussi une série de vidéos sur les moins de 10 000, moins de 100 000, parce que les vidéos sont complètement fausses actuelles, tout simplement parce que les joueurs ont énormément baissé et qu'il est beaucoup plus facile au moment, par rapport au moment où je l'ai fait. Allez. Voilà, on va repasser derrière. Parfait. Allez, tu vas vite, tu vas vite, tu vas vite. Eh oui, il faut prendre son temps, voilà, on a le temps de marcher. Hop, la petite danse spéciale Hernandez. Patrick Hernandez même. Super, super. Bien joué, bien joué. Ça fait de belles. Ça commence bien, c'est un match qui commence bien, ça. Oh là 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 là. Les gars, dépêchez-vous, mais vous êtes bien lent, c'est pas possible. Pareil, hein, les joueurs qui veulent essayer de faire des tout droits face à l'équipe qu'on a là, c'est pas évident du tout pour. Oh, ça va rentrer. Il y avait hors-jeu là. Position de hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Sans bavure. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Elia. Ouais, c'est propre ça. Sifflet de l'arbitre. C'est le jaune, bien sûr que c'est le Joueur n'a jaune. pas à discuter, c'est le jaune. Allez. On va frapper de loin. Un bel appui du gardien sur La cette frappe était belle. sortie un peu culottée. Alors, on va faire tourner derrière. Okoré. Angel Di Maria. Et l'arbitre est présent d'entrée de jeu. Et hors jeu. Alors, je sais pas ce que c'est en train de faire comme match, mais c'est un match assez bizarre. Vraiment sans intensité, sans rien. C'est vraiment un match pourri pour le moment. Je sais pas comment ça se fait là. Je sais pas ce que me fait le joueur adverse. Ah, il vient en contact. L'arbitre qui fait signe de jouer. Tant que ça profite à l'attaque, il a raison. Plus que le gardien éliminé. Oh, la belle Eh frappe! oui, Appuyez! bien sûr. Bon, je sais pas trop ce qui me fait mon adversaire, mais là ça prouve toute la vitesse des joueurs. Et en plus j'ai essayé de C'est bien mettre des joueurs cela au milieu de qu'on veut terrain qui voir. sont plutôt Faire la différence bons sur dans une les passes. passe. Voilà, Une quand vous avez un passe Di Maria, un magnifique qui Ramirez place le qui ont buteur dans plutôt les des meilleures qualités conditions. techniques assez Le élevées. gardien est en Avec vue. Katsu, c'est pas la Le même chose retour que je vais lui du demander, ballon c'est peut essayer ouvrir de le terrain. percer les lignes. Aubameyang. Un ballon pour Walcott. Ah, une UA Et toujours Walcott. aussi. Ah, très bonne sortie du gardien. Eh Bien ouais, fallait sûr, y très aller bonne sur ce sortie. ballon. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Qu'est-ce que ça me fait là? Et l'arbitre indique le poteau de corner. C'est Et on nul s'y là attendait pas du tout ce but. les connexions que j'ai en face, alors Ah, très évidemment. belle frappe, bien placée. Côté droit, le gardien qui s'incline. Bien sûr, elle était belle. Elle était belle. Allez, dépêche-toi, mon petit Mongolien là. Oh. Allez, coquinou, il magne. Parce que là, ça suffit. Là, au bout d'un moment, il va falloir se dépêcher un peu les fesses. Hein, parce que. Voilà. Oh, encore un champion du monde. Elle est sur la trajectoire. Ce sera 6 mètres pour le gardien. Pour le moment, c'est un match très décousu, sans intensité, sans rien, pas très intéressant.
Bon. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Ça, c'est son truc phare. Bonne récupération au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Alors, on va regarder ce que c'est. Que c'est chiant les joueurs comme ça là. Je sais pas s'il est en train de se pignoler en même temps que. Mkhitaryan. Ouais, il a un peu d'espace. Je sais pas ce qu'il me fait là. Ouais, excellente interception, bien joué. Bonne sortie du gardien. Eh ouais, il fallait y aller sur ce ballon. Ils se rentrent dedans, mes joueurs là. Angel Di Maria. Voilà, ça c'est bien joué. C'est là où en général je fais pas l'erreur de faire ce que les joueurs attendent. Ah, ça c'est bien cette talonnade. Oh, quel dommage, l'arbitre qui siffle hors jeu. Match moyen. Pourtant, il y a des joueurs qui sont vraiment intéressants dans cette équipe. Bon, après, on va se retrouver avec deux victoires. Oui, bon, il y a hors-jeu mes fesses, hein, parce que c'est pas lui qui prend le ballon. Bon, c'est pas très grave, mais. Check. Je suis dessus. Voilà, bien sûr. Elia. Attention, il y a plus que le gardien sur Allez, mon petit Hernandez. Oh, la grosse occasion là! Oh, le bon tir! Oh, Hernandez, son nez! Il faut aller droit avec Hernandez. Boateng. Hummels. Ouais, c'est très très faible. Facile cette récupération. Ouais, bien pris. Qu'est-ce qu'ils me font mes défenseurs là, là? Allez, t'es rapide, voilà. Ouais, idéalement. Attention! Et puis, C'est dévié par le bien poteau, sûr. c'est un but. C'est au fond. La trajectoire du ballon qui est Hop, la petite attention sur le passe. but. Non, Hop, yes, on se la lève. Avec le Et poteau, bim! imparable. Ça c'est beau ça. Toujours pas de réaction Ça c'est beau. Face. 5 minutes de temps additionnel. 5 Ah, si tu minutes. essaies de faire ça, je t'ai dit, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Alors que moi, si je le fais. Bradley Garmston. Les ballons ont récupéré sur cette intervention. Un ballon pour Walcott. Ouh, le coquinou. Boateng. Mkhitaryan. Ah, mais là, ça passe pas, ça. Ça passe pas. Et nous venons d'assister à une première période intéressante avec Bon, et 3 buts en 4 frappes, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec ce type de joueur, en général, ça. Ça fait pas ce nombre de buts, hein. C'est plutôt sympa. On a pratiquement vu que sur le terrain, tout leur sourit. Espérons pour eux qu'ils pourront continuer sur le même Des petits rototos. Allez. Bon, il n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive.
Oh, ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Aubameyang. Oh oui, c'est pas mal ce centre. Je peux pas faire plus. On revoit cette super. Aïe 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 aïe. Le timing est parfait, Hervé. Le centre est bon aussi, hein. Tout est à chier, tu veux dire, vu toi. Nul. Tout est à chier. Oh là là là, ça fait, il fait partie des Mongoliens. Oh, il l'a déposé. Oh, c'est beau. Ouais, bien taclé, mais c'est pas fini. Ouais, c'est un peu long. Il était beau celui-là, attaque, monsieur l'arbitre. Un carton jaune. Bon. Bon moment. Carton jaune. Aubameyang. Et le ballon est perdu pour tout le monde là. Il va devoir protéger son ballon. Boateng. Oh là là là, c'est pas possible. C'est quoi cet arbitre de merde? Nul. Nul l'arbitre. Achète. Achète l'arbitre. Bon allez, dépêche-toi. Aubameyang. Angel Di Maria. Et Walcott. Et ballon pour Walcott. Ah, quel effort sur... Oh, ça va rentrer! Ah, c'était impossible à... On avait pu rentrer facilement. Correctement, facilement. Et ce sera un corner. Allez, là, au Coré. Au Coré. Oh, quelle détente. Ouais, quelle détente de Coré. Un monstre. Luis Gustavo. Peut-être. Eh oui. Eh oui, Hernandez, c'est, je vous ai dit, c'est pas mal devant, c'est pas mal. Oh, ça se déplace pas mal. Hop. Et bim. Bon là, le joueur va se déconnecter en général. Il peut jouer avec ses coéquipiers. C'est honteux, monsieur l'arbitre, là. Il y a faute. Dépêche-toi, l'arbitre. L'arbitre qui sort le jaune. Pour du réalisme, malheureusement, ils nous font perdre un temps. Quand on joue, on n'a pas envie de regarder tout ça, là. Alors, on va marquer avec qui? On va marquer avec notre petit Di Maria. Allez, peut-être le tour du match pour le gardien avec cet arrêt. Là, je pense que vous emportez un peu, Hervé. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Bradley Garmston. Interception. Ouais, on va les marquer avec lui. Allez, Garmston, toujours Garmston. Allez, un peu trop. Le drapeau s'est levé, il a déclenché. Ouais, mais mon petit Lloris montrait toute sa vitesse. Il est vif, mon Lloris, il est vif. Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau. Boateng. En jeu, oui, monsieur l'attaquant. Oh, laisse jouer, même si c'est pour moi, là, c'est pas grave. C'est de la faute du rouge, là, il me pousse, monsieur l'arbitre. Allez, dépêche-toi. Il est à la récupération au milieu de terrain. Walcott. Le centre à venir peut-être. Et
Non mais Lia, t'es tout seul! Je te la dépose! Aubameyang. Boateng. Et ballon pour Walcott. Oh attention, il n'y a plus que le gardien. Oh c'est parti. Oh il attrape le montant. Oh la belle frappe. Ouh, t'es bien parti. T'es bien parti la coquine. Il fallait qu'il frappe fort, mais avec plus de précision. La trajectoire du ballon qui n'est pas assez flottante, pas facile de cette distance. Ah oh oui, t'as raison, ça c'est très très utile. Hein. Ce score qui ne bouge toujours pas à l'approche de la fin de la rencontre, une rencontre un peu à sens unique. Il a des solutions. Oh, qu'elle est bien partie. Oh, la coquine. Oh, la coquine, c'est bien joué, le code. Non, mais siffle pas là, on joue même plus là. Il y a tellement plus de matchs que. Il y a tellement plus de matchs. On va faire une grosse frappe. On va tenter la grosse frappe. Va tenter la grosse frappe. Allez, hop, milieu jaune. Je les tire plutôt bien avec Di Maria. J'en ai marqué beaucoup avec lui. Ramirez, là on est peut-être vraiment très loin. Di Maria au 88 de puissance. On va frapper fort. On va frapper fort. Là, malheureusement, ça a surpris personne. Regardez la belle reprise là. Hernandez, ça frappe dans tous les sens. Elle était bien partie celle-là encore. Hein. Gundogan. Mkhitaryan. Elle vient buter sur la défense. C'est gentil de me l'avoir amorti. Et Walcott. Ouais, là j'ai voulu à l'interception. Bon, là sans souci, oh, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Gundogan. Oh, la belle frappe! Cette occasion. Allez, c'est fini. Donc bah, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Donc il y en aura de plus en plus, en tout cas pour vous montrer le type d'équipe. Là j'espère que il y en a certains qui vont s'inspirer de cette équipe là pour pouvoir constituer la leur. Bon évidemment il faut certains crédits parce que certains joueurs bronze et certains joueurs argent, sans compter Di Maria, coûtent un certain nombre de crédits. Au total là sur PC ça doit coûter à peu près 1 million, 1 million 5 l'équipe. Et donc je pense que sur console on est à peu près entre 500 000 et 750 000 crédits l'équipe, mais elle en vaut le coup hein, parce que bon déjà on a fait deux victoires, ça c'est déjà bien, et on faut pas oublier quand même qu'on est en division 2, donc on joue quand même contre des peintres, et donc c'est pas toujours évident. Sinon, dans les joueurs qui vraiment, en tout cas moi, m'ont surpris agréablement et qui, bon, je n'ai pas rarement joué, parce que bon, évidemment, je connaissais déjà Onua, donc je ne vais pas en reparler. Boli, j'ai déjà joué avec, Wayne aussi. Mais dans ceux qui m'ont surpris, ben, y a Okoré en défense centrale que j'aime beaucoup. Yedlin, mais c'est énorme, c'est vraiment très très fort. Garmstone, je suis plus mitigé, bon après c'est un joueur quand même bronze hein, donc c'est normal, plus mitigé, après c'est toujours avantageux pour pouvoir couvrir les défenseurs. Atsu m'a pas agréablement surpris, très moyen.
Elia, ça va très vite. Sadri, plutôt pas mal. C'est note positive. Hein. Ramirez et Di Maria, on va pas en parler. On les connaît. Walcott, pareil, on connaît. Mais alors, le grand gagnant pour moi de ces matchs, c'est Hernandez, que je ne connaissais pas. Quand même, qui a 92 de vitesse, 72 de dribble, 68 de tir. Donc, c'est quand même pas des stats exceptionnelles. Et pourtant, sur le terrain, on sent quand même que y a quelque chose. Dans les autres que j'avais testé, il y a Suk que j'apprécie énormément, que je ne connaissais pas. Hein, pour vous dire, qui jongle pareil, vraiment très rapide avec un physique qui tient plutôt la route devant Oduro. Pareil, ça va très vite, mais ça a quand même de grosses lacunes avec 163 de tir et 164 de physique. Et l'autre bonne surprise, c'est Hult en milieu de terrain qui va très vite et en plus qui a des capacités de dribble qui sont quand même assez importantes pour un joueur bronze avec 71, 91 et 71, c'est plutôt pas mal. Il est tout petit, il va très vite, donc vraiment intéressant. Donc dans les joueurs comme ça à retenir, qui ont en général on n'a pas l'habitude, mais Wine, mais bon ça je pense que quasiment tout le monde le connaît, mais dans les joueurs qui coûtent pas très cher, parce que ceux qui coûtent 7000 crédits là moi, et Jonk 5600, donc pas énormément. Hernandez, bon là c'est beaucoup plus 18 000, hein, c'est quand même pas énorme. Lui coûte très cher quand même, hein, 70 000 crédits, voilà, je l'ai acheté 65 000, donc il y a certains joueurs qui coûtent assez cher. Au Corée, on est dans les 32 000, hein, donc c'est quand même des joueurs qui coûtent assez cher, mais vraiment, vous serez pas déçus. J'espère que cette équipe vous aura donné envie de jouer avec elle et que vous puissiez aller au maximum de votre vitesse. Si vous aimez aller jouer vite, ben, cette équipe est faite pour vous. La prochaine fois, ce sera la meilleure équipe en passe. Donc, j'essaierai de constituer la meilleure équipe avec le plus haut niveau de passe et on verra si elle fait aussi bien. Celle-là réussit son examen avec quand même en division 2 deux victoires en deux matchs. Donc, on peut dire que bravo. En bas à droite, là, je vous ai rajouté mon Twitter. Si vous voulez acheter des crédits, passez par FIFA by Coins. C'est le seul site en qui j'ai confiance. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit abonnez-vous en haut à droite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. Et je vous dis à bientôt. C'était Robert 87000. Ciao.